Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom du Machia, Yeshua Machia, notre Père d'amour. Alléluia. Yeshua est bon. Je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration, papa. Tu es bon, tu es juste, papa. Père, tu m'éclaires sur un point, Père. Tu me fais comprendre, Père, que nous sommes à côté de la plaque, papa. Nous sommes à côté de la plaque, Père, à différents niveaux, Père. À différents niveaux, Père. Chacun est à côté de la plaque, à son niveau. Père, reçois l'adoration et que ton nom soit béni, Père. Merci pour ta lumière. Merci, Père, pour ce que tu nous enseignes. Prends toute la place, Esprit Saint d'Élohim. Alléluia. Et que ton nom soit glorifié. Alléluia, au siècle des siècles. Alléluia. Mes amis, Yeshua est bon. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Amis, Yeshua m'éclaire sur un point, les amis. Nous sommes à côté de la plaque. Mes amis, plus Yeshua, mes amis, m'éclaire là-dessus, mes amis, plus m'ouvre les yeux, mes amis, plus je me rends compte que je suis à côté de la plaque. Les amis, le titre du partage, à côté de la plaque. Amis, on va même pas parler, mes amis, de ceux qui parlent de l'évangile de la prospérité. On ne va même pas parler de ceux-là, mes amis. On ne va même pas parler de ceux-là qui pensent que c'est en donnant, 10% de notre argent que nous serons bénis. Je ne parle même pas de ceux-là, mes amis. On qui prêchent un évangile qui vient tout droit de l'enfer. Je ne parle même pas de ceux-là. Je parle de ceux, mes amis, qui aiment le Seigneur. Les disciples du Machia, les enfants du Seigneur. On dit ça? Mes amis, Yeshua me fait comprendre, mes amis, que nous sommes à côté de la plaque, bien souvent. Le plus souvent. Plus souvent que rarement. Nous sommes à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que nous sommes riches. Nous sommes riches, mes amis. Nous sommes riches. Yeshua a dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Nous sommes riches, mes amis. Yeshua m'éclaire là-dessus. Nous sommes riches, mes amis. Le système a bien travaillé, le système anti-machia a bien travaillé, pour nous façonner, nous faire devenir des riches. Nous sommes des riches, mes amis. Comment ça? Nous sommes des riches, mes amis. La cause du pauvre qu'on n'est pas. La cause du pauvre, mes amis, connaît pas le système, mes amis, nous a désensibilisé le système anti-machia, le système anti-Christ, nous a désensibilisé. Mes amis, Yeshua m'éclaire là-dessus. Mes amis, on prie Yeshua, mes amis. Mes amis, mais nous faisons pas ce que Yeshua demande. Comment ça? Le plus souvent, on loue Yeshua, on adore Yeshua, mais on fait pas ce qu'il demande. Vous voyez ça? Et le diable, il rigole. Ben oui, Yeshua me fait m'éclairer là-dessus. Ça me c'est terrible ça. Ça me c'est terrible, mes amis. Amis, il y a des choses qui existent, vous avez des conditions humaines qui existent, mes amis. On n'est même pas au courant de ça, parce qu'on ne s'intéresse pas à ça. On passe notre temps, dans l'adoration, mais dans la pratique, que dalle. On ne s'intéresse pas aux nécessiteux. Ça me c'est terrible ça. À côté de la plaque. À côté de la plaque, et l'ennemi rigole. Amis, nous les disciples du Machia, je ne parle même pas de ceux, mes amis, qui sont sur la place là, qui disent n'importe quoi, qui prêchent pour leur ventre. Je parle même pas de ceux-là, mes amis, je parle des enfants du Machia, des enfants qui aiment le Machia, les disciples du Machia. À côté de la plaque. Mais je ne parle même pas, mes amis, de ceux qui veulent se faire un nom à travers, mes amis, l'œuvre du Machia. Ceux-là qui veulent se faire un nom, mes amis, ils sont à côté de la plaque, mais je ne parle même pas de ceux-là, mes amis. Je parle des enfants du Machia qui aiment le Machia. Donc, mes amis, on est tous, mes amis, à côté de la plaque à des niveaux différents. Voyez? Celui qui prêche l'évangile de la prospérité est à côté de la plaque. Celui qui veut faire l'œuvre du Machia sans le Machia est à côté de la plaque. Mais toi qui aimes le Machia, tu l'adores, eh bien, tu bien souvent, tu fais pas ce qu'il demande.
Nous ne faisons pas ce qu'il demande. Hein? C'est-à-dire prendre soin des nécessiteux. Soit à côté de la plaque, mes amis. Et le temps passe, mes amis. Vous voyez ça? Le temps passe, mes amis. On ne fait pas ce que le Mashiach demande. À côté de la plaque. À côté de la plaque. On prophétise, on fait des choses, on parle, mes amis, en langue, on fait des choses, mes amis, mais la pratique n'y est pas. Et mes amis, il choisit aimer Elohim et aimer son prochain. Mes amis, si on n'aime pas son prochain, comment on peut aimer Elohim? Si on n'aime pas son prochain qu'on ne voit pas, on voit, comment on peut aimer Elohim qu'on ne voit pas? Mes amis, nous sommes riches. Comme ça? Les amis, nous allons voir, mes amis, hein, la parabole du jeune homme riche. Nous sommes riches. Vous voyez ça? Nous sommes riches, mes amis. On n'a pas lancé la pierre au jeune homme riche. Nous sommes comme lui. Nous sommes riches. Et on ne veut pas laisser, mes amis. On ne veut rien larguer. On ne veut rien abandonner. Vous voyez ça pour le Seigneur? Nous sommes riches, mes amis. Et on s'accroche à ça. Yahushua me fait comprendre ça. C'est terrible, ça, mes amis. Si nous sommes mes cas là-dessus, c'est mes amis, c'est que nous sommes beaucoup dans cette situation. Hein? Nous sommes beaucoup dans cette situation à côté de la plaque. On se contente, mes amis, on se contente eh ben, d'une certaine situation d'adoration du Seigneur. C'est comme le religieux, il ne veut pas entendre la vérité, bien souvent. C'est ça? Le religieux, mes amis, veut se conforter dans son système et, mes amis, ne veut pas entendre surtout d'autres versions, d'autres choses, parce que, mes amis, il veut se conforter dans son système. Mes amis, mais celui, mes amis, qui adore le Mashiach, mes amis, qui cherche le Mashiach, mes amis, hein, le disciple, mes amis, bien souvent, mes amis, il se contente de sa situation d'adoration. Hein? Vous voyez ça? Il y en a, mes amis, hein, qui sont dans la calomnie. Ils se contentent de ça, ils ne veulent pas avancer. Vous savez, il y en a qui sont dans la jalousie, mais il y en a, mes amis, qui ne sont pas dans ça, ils ne sont même pas dans la calomnie, même pas dans la jalousie, mes amis, mais qui se contentent de l'adoration, et même ceux-là sont à côté de la plaque. Amis, c'est terrible ça. Vous savez, notre vie devrait tourner vers les autres. Notre vie, mes amis, devrait tourner vers les autres, mais nous sommes riches. Nous sommes riches, mes amis, nous allons voir ça. Nous sommes riches. C'est terrible, ça, mes amis. Là. Les amis, la lumière qui arrive là, c'est terrible. Mes amis, les enfants du Mashiach seront touchés par ce message. Ce message-là est terrible. Vous voyez ça? En tout cas, mes amis, eh bien, mes amis, on est pris dans un système, là, mes amis, mais c'est un système anti-Mashiach. On est pris dedans, on est coincé dedans. Mais s'il n'y a pas la violence, mes amis, si on ne se fait pas violence, mes amis, on va rester dedans, on va se contenter comme les religieux, on va se contenter de l'adoration du Seigneur. De se voir entre frères et sœurs et de se contenter de ça. Alors que Yahushua, mes amis, demande de pratiquer, mais pas pratiquer n'importe comment, pratiquer avec lui, faire ce qu'il veut qu'on fasse, mes amis. Comprenez ça? Amis, nous avons l'exemple, mes amis, hein, le frère, mes amis, hein, qui découvre des conditions terribles, des conditions humaines terribles, amis, pendant des décennies, qu'ont fait les systèmes religieux pour ces gens-là, mes amis, des gens, des aveugles, mes amis, des nécessiteux, hein, des gens, mes amis, hein, des gens qui rampent, vous avez des gens qui rampent par terre au sol, hein, mes amis, et grâce, hein, grâce à l'aide des frères et sœurs, mes amis, on a pu acheter un tricycle, hein, pour cet homme-là, qui rampait au sol. Et ça existe, mes amis. Et les systèmes religieux sont là depuis des décennies. Ils ont, personne, mes amis, hein, n'a pris soin, mes amis, de cet homme-là. Vous savez, vous comprenez ça? On est là. On est, mes amis, dans un système, mes amis, qui nous pousse à nous contenter, mes amis, de l'adoration d'Élohim, simplement. Mais la considération des nécessiteux, on n'est pas tourné vers ça. Je vous dis que l'homme, mes amis, eh ben, imaginez-vous que quelqu'un, mes amis, va à l'église, mes amis, et enjambe cet homme-là, cet homme qui mendie, hein, l'enjambe, il va à l'église. Ben oui, imaginez-vous que ça peut se faire. Imaginez-vous ça, mes amis, la réalité.
ami, un homme qui mendie, hein? Un ami, cet homme-là peut mendier devant l'église, devant une église, devant une assemblée. Les gens peuvent, mes amis, l'enjamber et aller prier. Personne, mes amis, n'aura l'idée, mes amis, de considérer la situation de cet homme-là. Hein? Il nous faudrait mettre un tricycle. D'où vient, mes amis, cette pensée? La pensée vient d'en haut, du ciel. Mais si tu es coincé dans ta pensée, si tu es riche et que tu te contentes de ça, eh bien, imagine-toi que la pensée, tu vas même pas avoir cette pensée-là. Parce qu'il faut tourner vers l'autre, mes amis, pour être connecté au ciel. Et pour, mes amis, avoir cette pensée-là, mes amis, la miséricorde a disparu. La compassion a disparu. Point de ça? On est à côté de la plaque. Et le frère, mes amis, disait, comment se fait-il, il n'a jamais vu ça, comment se fait-il que les systèmes en place n'ont pas pensé, mes amis, à cet homme par terre, mes amis? Et lui, mes amis, ben, il a eu cette lumière-là. Parce que, mes amis, la compassion n'y est pas, la miséricorde n'y est pas. Comme ça. Comme ça. Et mes amis, vous savez, ce frère-là, comme tous les frères et sœurs, était en colère de voir cette situation de l'homme. Mes amis, par la grâce du Machia, mes amis, on a pu lui acheter un tricycle. Il était tout content, mes amis. Et c'est pas la première personne à qui on a acheté un tricycle. Pendant des décennies, les gens m'ont dit, hein, il y a des systèmes, mes amis, hein, des systèmes qui sont en place, des églises, mes amis, des gens qui ramassent de l'argent, mes amis, des gens qui ramassent de l'argent, mes amis, mais qui font quoi avec l'argent? Un système non tourné vers les pauvres. Et chacun se contente de ça. Mes amis, on doit des comptes à rendre au Seigneur. On doit des comptes à rendre au Seigneur, mes amis. Chacun cherche à prophétiser, chacun cherche un don, chacun cherche un talent. Mais mes amis, le principal, la compassion, la miséricorde qu'on n'est pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas, mes amis. C'est terrible ça. Nous sommes riches. Vous voyez ça? Le système, mes amis, nous a fait, hein, des gens, mes amis, anti-machia. On a un fonctionnement anti-machia. Mais mes amis, on ne sait même pas ça. Il faut la lumière qui vient d'en haut. Mes amis, on voit des contrats pour mon Seigneur. Il faut la lumière qui vient d'en haut. Mes amis, on est à côté de la plaque. Hein? Il faut la lumière qui vient d'en haut, amis, pour voir, mes amis, comment on est loin, mes amis, de ce que veut le Seigneur. Comment on est loin de ce que veut le Seigneur. Vous voyez ça? C'est terrible, ça, mes amis. Il y en a même que de ceux qui font les choses pour être vus. Amis, on est loin, amis, de ce que veut le Seigneur. Il y en a, mes amis, de ceux, mes amis, hein, qui veulent être vus, qui veulent faire des choses pour être vus. Alors qu'il est dit, mes amis, hein, ce que ta main, hein, doit te faire, pas que ta main gauche soit au courant. Amis, c'est terrible ça. À côté de la plaque. À côté de la plaque. Amis, c'est terrible ça. Pendant des décennies, mes amis. Amis, je vous dis, hein, je parle même pas des religieux. Ah donc, mes amis, c'est terrible ça. Il y a un système anti-machia qui est, mes amis, qui est ancré en nous. Qui est un fonctionnement qui est ancré en nous. Point ça? Il faut la lumière, mes amis, du Seigneur, mes amis, pour nous arracher de ça. Pour nous arracher de ce fonctionnement-là. Oui? On est pris dans ça. On est riche. Et on s'accroche à nos richesses pourries, nos richesses qui sont bien pourries, là, mes amis, on s'accroche à ça. On s'accroche à ça, mes amis. C'est terrible, ça. C'est terrible. Mes amis, Yoshua est bon. Yoshua est bon. Mes amis, nous sommes dans Marcos 10. Hein? Marcos 10, mes amis, à partir du verset 23. Amis, c'est terrible ça. La parabole, mes amis, du jeune homme riche. Amis, on va, mes amis, la lumière, mes amis,
va arriver, mes amis, pour les enfants du Mashiach, par rapport à cette problématique-là, et par rapport à cette problématique, mes amis, hein, ce fonctionnement anti-Mashiach, mes amis, la lumière arrive pour les enfants du Mashiach. Merci Père pour ce partage. Merci Père pour cette lumière. Voyez, on ne pourra pas jeter la pierre à ce jeune homme riche. On ne pourra pas. Nous sommes riches aussi. Nous sommes riches, mes amis. Et nous fonctionnons exactement comme ce jeune homme-là. Exactement pareil. Nous fonctionnons, mes amis, exactement pareil. Pareil. Comme ce jeune homme riche. Exactement pareil. L'ami dit, et Yoshua ayant regardé autour de lui, dit à ses disciples, verset 23, alléluia, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume d'Élohim. Alléluia. On va apprendre plus haut. On va apprendre plus haut, excusez-moi. Le choix est bon. Voilà. Verset 17. Et en sortant sur la route, un homme accourut et se mit à genoux devant lui et lui fit cette demande. Bon docteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous amis, voyez, la motivation du jeune homme riche, vous amis, c'est une bonne motivation. Il pose une question excellente. Vous amis, on est comme lui, on veut, mes amis, hériter de la vie éternelle. Alléluia! Mes amis, on veut, c'est notre vœu, le plus sincère. On veut, mes amis, hein, hériter, mes amis, du royaume des cieux. On veut être avec Yahushua. Donc, mes amis, c'est une question légitime. Mes amis. Donc, le jeune homme riche, mes amis, pose une question magnifique au Seigneur. Une question magnifique au Seigneur, c'est l'objectif de tout disciple. Atteindre le but, mes amis, hein, mes amis, la vie éternelle avec Mashiach. Mes amis, verset 18. Et Yahushua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, excepté un seul Elohim. Mes amis, Yahushua homme répond à cet homme-là, d'accord? Yahushua homme dit à cet homme-là, mes amis, qu'il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Elohim, d'accord? Donc, mes amis, sous la place, là, mes amis, arrêtez de dire que les hommes sont bons, hein, des pasteurs sont bons, des pasteurs sont, ce sont des hommes, des surhommes. Arrêtez l'idolâtrie. Il n'y en a qu'un seul qui est bon, c'est Elohim, d'accord? Yahushua le dit lui-même. Il n'y en a qu'un seul qui est bon, c'est Yahushua Mashiach, hein, le Créateur. Il n'y en a qu'un seul qui est bon, c'est le Père. Point ça? Arrêtez de mettre des hommes au-dessus de vous, hein? Hein? Arrêtez de considérer les hommes comme au-dessus de vous, mes amis. Arrêtez ça. L'idolâtrie, arrêtez ça. Il n'y a qu'un qui est bon, c'est Yahushua Mashiach, notre Sauveur et Maître. Il le dit lui-même, d'accord? C'est le Père. Il n'y a qu'un qui est bon. Arrêtez, mes amis, hein, d'appeler les hommes sur cette terre-là mon Père. La Bible dit qu'il faut arrêter d'appeler les gens, de ne pas appeler les gens Père sur cette terre-là. Il n'y a qu'un seul Père, le Père Céleste. Arrêtons, mes amis, l'idolâtrie. Les gens qui embrassent la terre, mais il est qui pour embrasser la terre, pour bénir la terre? Il est qui? Il n'y en a qu'un seul qui est bon, c'est Elohim. Vous comprenez ça? Arrêtons l'idolâtrie. Vous comprenez ça? Le choix est bon. Alléluia. Amis, verset 18, donc verset 19. Je reprends le verset 18. Et Yahushua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon excepté un seul Elohim. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, n'assassine pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. Et répondant, mes amis, il a répondu, le jeune homme. L'ami, et répondant, il lui dit, docteur, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. L'ami, il a fait mieux que nous. Il a fait mieux que nous. Parce que vous voyez, on a même du mal à garder ça. Mais lui, il a gardé ça. Et lui manque quelque chose. Il sent, mes amis, il sent qu'il lui manque quelque chose. Vous savez, il lui manque le principal. Vous comprenez ça? Vous savez, et il a fait mieux que nous en matière, mes amis, de garder les commandements du Seigneur. Vous voyez? Il a fait mieux que nous en tant que, mes amis, hein, en tant que jeune homme juif. Il a fait mieux que nous. Il lui manque quelque chose, amis. Et il nous manque quelque chose. Ah, mais c'est terrible ça. Vous savez, on ne peut pas lui jeter la pierre, cet homme-là, c'est impossible. Vous savez, il a dit verset 20, et répondant, il lui dit, docteur, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Vous savez, verset 21, mais Yahushua, l'ayant regardé, l'aima. Vous savez,
Mais Yoshua, l'ayant regardé, les mâts, il lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi en te chargeant de ta croix. De la croix. Alléluia. L'ami, c'est terrible ça. L'ami, Yoshua va à l'essentiel. L'ami, on a croix cette terre-là, mes amis. On n'a que des biens pourris. Vous voyez ça? On se le dit de la bouche, mais du cœur, on ne se le dit pas. On se dit, c'est quand même mon bien, c'est quand même mon argent, c'est quand même ma maison, c'est quand même ma voiture. Vous voyez ça? Dans le cœur, on a accroché à ces choses-là. On ne peut pas jeter la pierre. L'ami, oh, jeune homme riche. On ne peut pas, l'ami, parce que nous sommes riches, on ne peut pas lui jeter la pierre. Hein? L'ami, Yoshua va à l'essentiel. L'ami, Yoshua, mes amis, vu les disciples, vous avez tourné vers l'autre, tourné vers le nécessiteux, tourné vers le pauvre. Vous voyez ça? Mes amis, et l'ennemi est venu, mes amis, avec un fonctionnement anti-machia. Mes amis, et ce fonctionnement, mes amis, il a intégré en nous. Vous voyez ça? On n'est pas libre par rapport à ça. Vous savez, la lumière arrive. Alléluia. Merci, Machia. Merci, Elohim. C'est terrible, ça. Hein? Allez, vas-y. Hein? Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor, mes amis. Mes amis, on ne veut pas. On ne veut pas, mes amis. Hein? On ne veut pas, mes amis, obéir. Vous voyez ça? C'est terrible, ça. On ne veut pas obéir. On ne veut pas obéir. Mes amis, en fait, mes amis, on n'a pas idée de la récompense, on n'a pas idée du trésor dans le ciel. Vous comprenez ça? On s'y penche même pas, parce qu'on est, mes amis, on est bien encaillé. Vous comprenez ça? On est bien pris, on est bien distrait. Vous voyez? On est dans un fonctionnement anti-machia. Mes amis, je parle, mes amis, de la part de machia, pour moi aussi. Nous sommes pris dans un système, encaillés dans un système anti-machia, un fonctionnement anti-machia. Point de ça? On est pris dans un système égoïste, tourné vers nous-mêmes. C'est terrible ça. Et donc, mes amis, hein, tu auras un trésor dans le ciel. Mes amis, ce trésor-là, mes amis, on marche dessus. On n'en veut pas presque. Point de ça? On n'en veut pas. Et lorsqu'on le compare à ce qu'on a, nous, cette terre-là, eh bien, mes amis, on est comme le jeune homme riche. Eh bien, on se dit, ah non, moi, j'ai mes affaires. Je ne veux pas m'en débarrasser. C'est ma richesse. Mes amis, on n'a pas à jeter la pierre à ce jeune homme riche. On est comme lui. On est comme lui, mes amis. Et donc, ça fait des décennies, mes amis, il y a des nécessités qui ont besoin de nous. Mais mes amis, on ne s'intéresse pas, mes amis, aux nécessités, mes amis. Alors, mes amis, que la parole, mes amis, dit, heureux les pauvres, car ils seront consolés. Ben oui. Mes amis, c'est terrible ça. On a des comptes à rendre au Seigneur, mes amis. On a des comptes à rendre au Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, mes amis? Et pas n'importe comment, pas sans le Mashiach, avec le Mashiach, mes amis, qu'est-ce qu'on fait pour les nécessités? Amis, c'est deux choses, amis. Rentrer dans le plan du Machia, amis, hein, et s'intéresser aux nécessités comme veut le Machia, pas n'importe comment. Sauf, amis, faut être dans la volonté du Seigneur, dans le plan du Seigneur. C'est terrible ça. Amis, nous sommes à côté de la plaque. Amis, Yehoshua, mes amis, obligé de fermer, hein, de fermer les assemblées pour que nous puissions pratiquer sa parole. Hein? Il ferme les assemblées parce qu'on a, les amis, il y en a assez, mes amis, hein, qu'on se rencontre, mes amis, et que rien ne se passe, que les cœurs, mes amis, ne changent pas, que les cœurs, mes amis, ne sont pas tournés vers l'autre. Vous comprenez ça? Hein? Mes amis, il faut mettre clair là-dessus. Hein? On se voit, mes amis, on se voit, mes amis, on s'assemble, mes amis, et même dans l'assemblée, mes amis. Il y a des gens, mes amis, qui viennent avec un cœur bizarre. Les amis, et on adore le Père, en disant, c'est terrible ça. Hein? Et même ceux qui sont sincères, mes amis, et bien, mes amis, on est pris dans un fonctionnement anti-machia. On est riche. C'est terrible ça. Regardez, regardez ça.
Verset 22, mes amis, mais affligés de cette parole, mes amis, affligés, mes amis, une parole qui t'afflige, mes amis, une parole qui t'afflige, mes amis, et on est dans le même cas que ce jeune homme riche, on devrait être affligé. Affligé, mes amis, voyez, une parole qui c'est comme un coup de ceinture, une parole qui frappe, une parole qui, mes amis, qui frappe, qui te désarme. Et Yoshua, mes amis, avait l'art de parler, mes amis, la vérité des âmes. Mes amis, et nous, mes amis, en face de ça, mes amis, nous devrions être affligés comme le jeune homme riche. Affligés. Nous devrions, mes amis, nous dire, Père, on a perdu beaucoup de temps. Père, mais quel est ce temps qu'on a perdu? Père, mais pourquoi on n'a pas fait ce qu'il fallait, mes amis? On est pris dans un système, un fonctionnement anti-machine. Continuez à adorer le Père, mais ne faites pas ce qu'il demande. Et l'ennemi rigole. Comprenez ça? Mes amis, la lumière arrive. Allez, merci Père pour ce partage. Comprenez ça? C'est terrible ça. À côté de la plaque, on prie, on adore le Père. Hein? On prie le Père, mais on est égoïste. On pense qu'à nous. Dès que le salut soit personnel, alléluia, merci Seigneur. Dès que le salut soit personnel, mes amis, mais on pense qu'à nous dans ce salut personnel-là. On est pris dans un système en fonctionnement anti-machia, non tourné vers l'autre. Vous voyez ça? Les amis, la parole est terrible, les amis. La parole va nous juger. La parole nous juge. Les amis, ceux qui sont en esprit, les amis, ce message-là, mes amis, ils vont voir que ce message-là vient d'en haut, ce message-là vient du ciel. Vous voyez ça? On a encaillé, mes amis. Comprenez ça? Hein? On s'occupe de nos affaires. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Il y a des gens, mes amis, qui n'ont rien à manger la journée. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger à midi, mes amis. Hein? C'est terrible, ça. Mes amis, c'est terrible, ça. Mes amis, les systèmes, mes amis, sont mes amis, mes amis. Les gens sont à côté des assemblées. Hein? À côté. Hein? Dans la rue à côté, et ça chante, ça danse pour le Seigneur, soi-disant, dans ces bâtiments. C'est terrible, ça. Vous savez? Donc, mes amis, il est dit, verset 22, mais affligé de cette parole, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de nombreuses propriétés. Il était riche. Et nous sommes riches, nous sommes dans le cas de ce jeune homme-là, nous sommes riches. Vous comprenez ça? Nous sommes riches, mes amis. Et Yoshua, mes amis, lui a dit, mes amis, qu'il aura un trésor dans le ciel, mes amis. Il refuse ce trésor-là, ce trésor dans le ciel, mes amis, par rapport à ses richesses d'en bas. Et on est dans le même cas que lui. On est dans le même cas que lui, mes amis. Je vous dis, moi, je suis dans le même cas que lui. Je ne dis pas pour vous, mais moi, je suis dans le même cas que lui. Le Père m'éclaire là-dessus. Je suis dans le même cas que ce jeune homme riche. Hein, nous sommes riches. Et nous sommes dans un fonctionnement anti-machia en matière de prendre soin de l'autre. Anti-machia, on est, mes amis, on est tourné vers soi-même. On est tourné, c'est le système qui nous a fait rentrer dans ça. Et mes amis, on a caillé dans ça. On a caillé dans ça, mes amis. Que Yoshua nous fasse grâce. Vous voyez ça? On n'a pas à jeter, mes amis. Et ça fait des milliers de fois qu'on lit cette parabole, mes amis, et Yoshua t'éclaire là-dessus. Il t'éclaire là-dessus. T'as pas jeté la pierre à ce jeune homme riche. T'es comme lui. Je suis comme lui. Nous sommes riches. Nous sommes tournés vers nous-mêmes. Nous sommes tournés vers nous-mêmes, mes amis. C'est terrible ça. Mes amis, même en donnant, mes amis, un peu de sous à des associations par-ci, par-là, mes amis, c'est, mes amis, on est à côté de la plaque, je vous le dis. On est à côté de la plaque et l'ennemi, mes amis, son désir, c'est qu'on reste encaillé dans un système, mes amis, un fonctionnement anti-machia, anti-Christ, hein, un fonctionnement non tourné vers les nécessités. C'est pas seulement parrainer un enfant, mes amis, on se contente de ça. Mes amis, c'est terrible ça. C'est pas seulement parrainer un enfant, mes amis. Donc, vous, mes amis, être tourné, mes amis, vers l'autre. Ami Yoshua va dire à ce jeune homme riche, regardez, regardez ce qu'il va lui dire, regardez, 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 regardez.
L'ami, il ne va pas lui dire de vendre une partie. Regardez, verset 21. Mais Yoshua, l'ayant gardé les mains, il lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout, tout ce que tu as. Tout, tout ce que tu as. Et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Mes amis, c'est terrible ça. La demande de Yoshua est terrible. Mes amis, Yoshua ne demande pas, mes amis. Mes amis, je parle pour moi. Mes amis, Yoshua ne me demande pas, mes amis, une petite partie. Tout ce que j'ai lui appartient, mes amis. Il m'éclaire là-dessus maintenant. Tout ce que j'ai lui appartient. Mes amis, c'est terrible ça. Regardez, vous comprenez ça? C'est pas une partie, c'est tout ce que j'ai lui appartient. Et tout, mes amis, c'est terrible ça. Tout doit lui être, mes amis, eh bien, présenté. Et c'est lui qui va te dire, bon ben, tiens, prends une petite partie pour manger. Et le reste, et le reste là, c'est pour les autres. Les amis, c'est terrible ça. On est à côté de la plaque. Les amis, le constat est terrible. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, la lumière qui arrive là? Les amis, Yoshua ne demande pas. Les amis, une partie, il demande tout. Parce que tout ce qu'on a lui appartient. Les amis, nous sommes disciples du Machia ou pas? Nous sommes esclaves du Machia ou pas? On le dit du bout de la langue, mais les amis, le cœur ne le dit pas. On dit, mes amis, on dit oui, tout, je t'appartiens, mais est-ce que je t'appartiens avec mon argent en banque? Est-ce que je t'appartiens avec tout l'argent que j'ai en banque là? Est-ce que je t'appartiens? Je t'appartiens, oui, mais est-ce que tout l'argent que j'ai là, c'est à toi? Alors que mes amis, hein? Mais c'est à lui! C'est à lui! Mes amis, c'est lui, mes amis! Cet argent-là doit être tourné vers lui! Et c'est lui qui va prendre soin de nous. Hein? Il va nous dire, tiens, prends cette partie-là pour manger, et prends cette partie-là pour ça, prends cette partie-là pour ça, prends cette partie-là pour ça. Vous savez, on est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque, mes amis. Point ça? Parce que ce que demande Yoshua à ce jeune homme riche, mes amis, c'est, mes amis, une prise de position totale vis-à-vis des nécessiteux, vis-à-vis des pauvres. Et ce qu'il nous demande aussi, mes amis, une prise de position totale. Mes amis, est-ce que vous comprenez qu'on est à côté de la plaque? Ce message-là, mes amis, est pour moi, premièrement. Est-ce que vous réalisez, mes amis, que nous sommes à côté de la plaque? Nous faisons des affaires du marché à ce qu'on veut. Nous faisons les affaires du marché à ce qu'on veut. Vous comprenez ça? Hein? Nous sommes à côté de la plaque, mes amis. Alléluia, alléluia, regardez ça. Mes amis, et donc, mes amis, verset 22, il dit, mais affligé de cette parole, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de nombreuses propriétés. Mes amis, on est riche, on a des sommes en banque, on a des grosses sommes en banque, qui, ces sommes-là nous appartiennent. Oui, c'est comme ça qu'on pense. C'est comme ça qu'on pense. Hein? Je vous dis, la lumière arrive. Non, mais ces sommes-là nous appartiennent. Ce qu'on se dit, et on utilise une partie pour le Mashiach, tout ça appartient au Mashiach. Non, mais c'est terrible ça. C'est terrible ça. Non, mais c'est notre vision, vous voyez? C'est notre vision, mes amis. C'est un autre fonctionnement. Du fonctionnement anti-machia, mes amis, nous sommes invités, mes amis, à avoir un fonctionnement pro-machia. Un fonctionnement pro-machia. Vous comprenez ça? Un fonctionnement tourné vers machia et tourné vers l'autre. Vous voyez? Pro-machia, validé par machia. Et donc, nous appartenons à Yeshua Machia, mes amis. Nous devons nous comporter en tant que tel et pas parler de la bouche et non du cœur. C'est terrible ça. Vous savez, le message est terrible. Vous comprenez ça? Allez, nous avons un fonctionnement anti-machia. On dit qu'on aime le machia, mais on n'aime pas les nécessiteux. C'est pas possible. C'est pas possible. Père, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Regardez. Vous savez, et verset 23. Yoshua, ayant regardé autour de lui, dit à ses disciples,
qui est difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume d'Élohim. Mes amis, je vous dis, avant que je lisais ce texte-là, mes amis, ce texte-là ne me touchait pas. Je vous dis, parce que je considérais le jeune homme riche comme quelqu'un de riche. Mes amis, c'est terrible ça. Alors que je suis riche comme lui, à mon niveau, par rapport à un nécessiteux qui n'a rien, je suis riche. Même il y a des gens, vous savez, qui ne savent même pas ce qu'ils ont mangé à midi. Ben oui. Mes amis, et quand la parole du Mashiach me dit, mes amis, prenez la parole du Mashiach, la parole qui est adressée au jeune homme, oui, prenez cette parole-là, hein, prenez-la pour vous allez voir. Va, vends tout ce que tu as auprès des nécessiteux. Prenez cette parole-là pour vous. Et vous voyez votre réaction. Et vous voyez des commandes sont à côté de la plaque. Regardez, mes amis, comment nous sommes à côté de la plaque. On donne, mes amis, mais mes amis, on ne donne pas assez. Alléluia. Mes amis, alléluia, pardon. Mes amis, on donne, mes amis, point de ça. On donne selon nous. Pardon. On donne selon nous. Ben oui. Oui, et vous savez, on devrait tourner vers le Mashiach. Tout ce qu'on a à partir du Mashiach, c'est lui qui décide. C'est pas nous qui décidons, mes amis. Mes amis, nos biens ne nous appartiennent pas. Nous sommes passagers. Ce qu'on dit de la bouche. Vous savez, regardez comment on est à côté de la plaque. Regardez, mes amis, comment on est à côté de la plaque. Prenez, mes amis, la parole du Mashiach pour vous, la parole qu'il a dite au jeune homme riche. Vends tout ce que tu as. Vous savez, imaginez, mes amis, prenez le temps de réfléchir sur ce que vous possédez là. La grosse voiture là, la grosse maison, le gros compte en banque. Voilà. Et là, Yahushua, prenez la parole du Mashiach pour vous. Hein. Va, tout ce que tu as là, donne ça aux pauvres. Nous sommes à côté de la plaque. Je vous le dis, c'est la vérité. La vérité fait mal. La vérité, c'est la vérité. Nous sommes à côté de la plaque. Comme ça. On est pris dans un système anti-machia, non tourné vers les autres, mes amis. Vous comprenez ça? Non tourné vers les autres. On se contente du peu. Hein? Il y a des gens, mes amis, qui ne sont même pas chrétiens, mes amis, mais qui donnent comme nous. Qui donnent à des associations comme nous, mais ils sont même pas chrétiens. Vous voyez? On est, mes amis, c'est terrible ça. Il n'y a pas de différence. Mes amis, on est pris dans un système, mes amis, anti-machia. Comprenez ça, un fonctionnement anti-machia. On est, mes amis, on est aveuglé. La réalité, on ne connaît pas. La véritable, mes amis, demande du machia, on ne connaît pas. On est pris, mes amis. Je vous dis, on est à côté de la plaque. Et mes amis, ça fait des décennies que ça dure. Mes amis, on a des comptes à rendre au Seigneur. Le message là est terrible. Le message là, il est terrible. Je vois une peau. Regardez. Pardon. Mes amis, qu'il est difficile, la fin du verset 23, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume d'Élohim. Et les disciples furent effrayés, mes amis. Verset 24, il me faut un peu d'eau. Alléluia, excusez-moi. Il est dit, je bois un peu d'eau, il faut être bon. Alléluia. Et les disciples furent effrayés par ces paroles, mes amis. Hein? Alléluia. Ils furent effrayés, mes amis. Moins de ça. Non, mais ces paroles-là devraient nous effrayer. Point ça? Non, mais ces paroles-là devraient nous effrayer, mes amis. On lit ces paroles-là, mes amis, mais on ne prend pas la mesure de ces paroles-là. Parce que, mes amis, on a habitué, mes amis, hein, à un système, hein, à une forme de religiosité superficielle. Vous voyez, on a habitué, hein, alléluia, on a habitué, mes amis, hein, à vivre une vie spirituelle, mais superficielle. Superficielle, la profondeur qu'on n'est pas.
à côté de la plaque. Et l'ennemi s'amuse. Et mes amis, j'avais vu. J'avais vu mes amis. Alléluia. J'avais vu mes amis dans une vidéo, un grand frère qui parlait, mes amis. Et qui, mes amis, qui mettait en scène. Hein? Pardon. Qui mettait en scène, mes amis. Alléluia. Qui mettait en scène, hein, des gens qui se battaient, des frères qui se battaient, hein, c'est moi le plus fort, non c'est moi le plus fort, non c'est moi le plus fort, alléluia. Pendant mes amis, que des gens mouraient, pendant que mes amis, des nécessités mouraient, et bien des gens dans l'église se battaient pour les postes. Et le grand frère, mes amis, a mis ça en scène. C'est magnifique, mes amis. C'est ça, c'est la réalité. Pendant qu'on s'occupe, hein, des choses, hein, qu'on s'occupe, hein, des postes, hein, des ministères, des services, il y en a qui meurent en parallèle. Et on ne fait pas l'essentiel. Alléluia, alléluia. Mes amis, c'est terrible, ça. Et il est dit, verset 25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim, mes amis. Amis, donc, on revient au verset 24, et les disciples furent effrayés par ces paroles, mais Yeshua, reprenant la parole, leur dit, enfant, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume d'Élohim, mes amis. Se confier dans les richesses, mes amis, ce qu'on fait, mes amis, hein? On investit selon nous dans ce monde et pas selon le Seigneur. Ben oui, je vous le dis, de la part du Mashiach, on investit, mes amis, selon nous dans ce monde-là. Cette terre, mes amis, on investit selon nous. Hein? On fait, mes amis, alléluia, on fait, mes amis, nos projets personnels selon nous. On ne met pas le Mashiach dedans. Ah oui, on va acheter le terrain, on va construire par là, on va se marier. Mais c'est des projets hors du Mashiach. Le Mashiach n'est pas dedans. On n'inclut pas. Alors que, mes amis, il devrait être notre conseiller. Parce que tout ce qu'on a lui appartient, normalement. Voilà ça. Et le Mashiach dit, mes amis, enfant qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses, d'entrer dans le royaume d'Élohim, mes amis. On se confie dans les richesses. Mais oui, on est comme ce jeune homme riche, mes amis. Voilà ça. Nous sommes comme ce jeune homme riche. Il n'y a pas de différence, mes amis. On se confie, mes amis, dans nos richesses. On investit sans le Seigneur. On pense à nous. Mes amis, c'est terrible, ça. On est centré sur nous. Mes amis, c'est un système. Nous sommes des victimes d'un système anti-machia. Hein? D'un fonctionnement anti-machia. On dit ça? C'est terrible, ça. La lumière est là, mes amis. On dit ça? La lumière est là. Le choix est bon. Il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Mais ils furent encore plus choqués. Ils se dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Mes amis, on devrait se poser cette question. Qui peut être sauvé? Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Des gens qui sont restés 10 000 ans dans une assemblée, mes amis. Hein, à ne rien faire pour les nécessiteux et qui pensent qu'ils vont au ciel. Ils pensent qu'ils vont au paradis avec ça, mes amis. À côté de la plaque. Je vous dis, hein, on se voit avec les frères et sœurs, on se contente de ça. À côté de la plaque, mes amis, à côté de la plaque. Savez, chacun devrait, mes amis, dans son intimité, demander au Seigneur, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amis, il est temps, mes amis, de se réveiller. Alléluia. Il est temps, mes amis, de se mettre au travail pour le Seigneur. Avec le Seigneur. Alléluia. Quoi de ça? Amis, Yeshua est bon. Yeshua est bon. Alléluia. Amis, donc, ils furent encore plus choqués et se dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Mais Yeshua, les ayant regardés, leur dit, pour les humains, cela est impossible, mais non pas pour Elohim, car tout est possible pour Elohim. Mes amis, et Pétros se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous voyez? Donc, vous avez, donc,
Pétros, mes amis, hein? C'est celui qui posait des bonnes questions, des questions terribles. Donc, mes amis, il va faire son apparition, et il va poser, il va dire à Yeshua, voici, nous avons quitté. Il va tout de suite, mes amis, hein, avoir cette réflexion-là. Il va tout de suite avoir cette réflexion-là. Nous avons tout quitté. Hein, qu'en est-il pour nous? Hein, nous t'avons suivi. Qu'en est-il pour nous? Nous avons tout, mes amis, ils vont comprendre, mes amis, que tout ce qu'on a sur cette terre-là, c'est rien, c'est que dalle. C'est une vie tournée vers le Seigneur, mes amis. On est à côté de la plaque. Et là, mes amis, Pierre va dire, Pétros, nous avons tout quitté. Et, mes amis, il répondant, Yéhoshua, verset 29, Yéhoshua dit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison ou frère, ou soeur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou tante, ou terre, pardon, Alléluia, ne reçoive maintenant, en ce temps-ci, au centuple des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Voyez? La vie du disciple, mes amis, c'est une vie, hein, d'abandon de soi-même pour le Seigneur. Alléluia! Mais c'est une vie remplie de persécutions sous cette terre-là. Et c'est une vie, mes amis, hein, qui est basée sur l'espérance, hein, qui est basée sur une espérance. Voyez? Et mes amis, l'espérance, mes amis, d'être avec le Père, hein, mes amis, et l'espérance, mes amis, hein, d'être avec ses frères et sœurs au ciel. Et l'espérance, mes amis, hein, d'être, avoir des biens au ciel. Notre espérance est céleste. On est attaché aux choses de ce monde. On est bien attaché. Nous sommes riches. On est bien attaché, mes amis, aux choses de ce monde. Comment ça? Le choix est bon. Hein? On va s'arrêter par là. Donc, mes amis, hein, on est bien attaché, hein, aux choses de ce monde. On est bien pris. Amis, comment ça? Le trésor au ciel, là, mes amis, on ne pèse pas. Il pèse léger par rapport à tout ce qu'on a là. Nous sommes riches dans nos cœurs. Ben oui. On n'aspire pas au trésor, mes amis, du ciel. On n'a pas idée de ça. Comment ça? Nous sommes riches. Nous nous considérons riches. Voilà, nous nous considérons riches. Ça? On n'a pas idée du trésor au ciel, mes amis. Être avec le Machia, mes amis. Hein? Avoir le Machia dans son cœur, mes amis. Quel trésor. Vous voyez ça? Quel trésor, mes amis. Mes amis, il est patient envers nous. Il nous éclaire petit à petit. Le choix est bon. Il nous éclaire, mes amis. Parce que, mes amis, il veut nous emmener quelque part. Amis, il veut nous emmener, mes amis, hein, à, mes amis, un fonctionnement pro-Machia. Un fonctionnement pro-Machia. Il veut nous emmener à un fonctionnement pour le Machia. Pro-Machia. Vous voyez ça? Pas anti-Machia, mes amis. Pro-Machia. Il veut nous emmener à ça. Il veut nous emmener, mes amis, à avoir un comportement qui lui plaît. Un comportement tel que lui, il veut. Hein, il veut, mes amis, qu'on abandonne, mes amis, les biens, mes amis, de ce monde-là. Hein? Il veut qu'on lui donne toute notre vie. Mais, mes amis, dans toute notre vie-là, il y a tout ce que nous avons aussi, tout ce que nous possédons. C'est à lui. Il faut comprendre ça. Il demande tout. Mes amis, quand il veut la place, il veut toute la place. Il va lui dire, je donne la première place à Machia, la seconde, il veut toute la place. Point ça? Dans le cœur, là, il veut toute la place. C'est un aile du tout. C'est un aile du tout. Point ça? C'est un aile du tout. T'as mis au choix, il est bon. Alléluia. C'est terrible, ça. Hein? C'est terrible. T'as vu ce message-là, mes amis? Il vient du ciel. Point ça? Ce message-là vient du ciel, mes amis. Alléluia. Hein? Amis, on n'est pas tourné vers le Seigneur comme il le faut.
Eh bien, il y a au choix, mes amis. Hein? Et patient, mes amis, il nous emmène quelque part. C'est pour ça, mes amis, que hein, maintenant, mes amis, au lieu de faire des super conférences, des conférences hein, où on rassemble 200, 300 personnes, hein, et là-dedans, il y a combien hein, de sorciers, mes amis, et c'est toujours pareil, rien ne change, mes amis. Eh bien, on préfère aller hein, dans les coins de rue. Hein, mes amis, hein, et ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle pas la parabole hein, des noces? Ça vous rappelle pas ça? Hein? Au départ, il y avait des invités, mais qui ont refusé. Et le roi va demander à ses serviteurs d'aller dans les coins de rue. C'est terrible ça. C'est exactement ce qui se passe maintenant, mes amis. Et le temps est venu pour ça. Pour ça, Yehoshua est trop fort. Yehoshua est trop fort, mes amis. Hein? Mes amis, les grandes conférences, là, les machins, là, où on rassemble, mes amis, hein, des gens, les mêmes, toujours les mêmes qui viennent. Et il y a pas le moindre progrès sous les décennies. Hein, mes amis, eh ben, maintenant, l'évangile, hein, eh ben, va à la porte des maisons. Comme ça? Hein, mes amis, c'est un évangile pratique. C'est un évangile, mes amis, pratique. Comme ça? Hein, où les gens, mes amis, hein, eh ben, ont pourvoir à ses besoins, ont pourvoir à leurs besoins. Comme ça? Au pouvoir le besoin, mes amis, directement. Mes amis, et les frères et sœurs, mes amis, sont dans la joie, mes amis, de vivre cet évangile-là qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas, mes amis, c'était là, mais on ne faisait pas ça. Hein? Mes amis, s'intéresser aux nécessiteux, mes amis, aller chez eux directement, aller, mes amis, et voir ce dont ils ont besoin, hein? Et pouvoir matériellement à leurs besoins, pourvoir matériellement à leurs besoins. Et c'est ce que le Père demande, mes amis. Et le Père nous éclaire là-dessus. C'est ça l'évangile. Et en même temps, mes amis, leur prêcher la parole. Hein? Mes amis, des conférences, il y a des foules, mes amis, on prêche la parole, les gens, ils reviennent là, ils repartent, mais ils repartent pareil, le plus souvent. Hein? Il n'y a pas le moindre progrès pendant des décennies. C'est comme ça. Ah oui. Alors que là, mes amis, eh bien, tu viens, tu prêches la parole, tu baptises au nom de Mashiach. Et tu laisses hein, la personne, hein, le nécessiteux, tu le laisses autrement que comment tu l'avais hein, trouvé de la part du Mashiach, mes amis. Et le Mashiach prend plaisir à ça. Comme ça? Le pauvre. Tourner vers le pauvre. Comme ça? Vous savez, c'est nouveau. Comme ça, Yeshua est bon. Sommes à côté de la plaque. À côté de la plaque, mes amis. Et ce message-là, cette lumière-là, mes amis, va nous éclairer. Va nous éclairer, mes amis, de façon, mes amis, à ce qu'on puisse, mes amis, demander au Père, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je, comment tu vois, Père, ma vie avec toi, mon intimité avec toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour le prochain, pour le nécessiteux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Parle à ton père. C'est ton père, non? Parle-lui dans l'intimité. Commençons à poser des bonnes questions au père. Père, tout ce que je t'appartiens, on le dit de la bouche, mais il faut le dire du cœur. Tout ce que je t'appartiens, père, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux hein, que je fasse de ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse des biens là, que j'ai accumulés pendant des décennies? Hein? Et je risque de mourir et de laisser ces biens-là. C'est un autre qui va en jouir. Vanité! On sort dans la vanité, mes amis. Yeshua veut nous sauver de la vanité. On sort dans la vanité pure. Mes amis, on rassemble, on rassemble, on rassemble. Mes amis, et c'est pour qui? Hein? C'est pour qui on assemble, on assemble, on assemble, mais c'est pour qui? Amis, avec la crise économique qui risque de venir, mes amis, eh bien, tout l'argent qu'on a en banque, on risque de perdre ça d'un coup. Hein? On assemble, mes amis, c'est pour qui? On voit bien qu'on est dans un monde de vanité. On voit ça bien. On voit, mes amis, qu'on est dans un monde de risque. Hein? Le lendemain, hein, n'est pas assuré. Hein? Mes amis, lorsqu'on médite ce monde-là, le lendemain est bizarre maintenant, là, en ce moment. Hein? Il y a des questions à se poser. Eh bien, posons-nous les bonnes questions. Revoyons notre intimité avec le Père, Yehoshua Mashiach. Revoyons notre intimité avec le Père. Hein?
Demandons-lui, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le jeune homme riche a eu, mes amis, le courage de demander à Yahushua, que faut-il que je fasse? J'ai déjà fait tout ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Posons la question au Père, mes amis. On a bien sûr peur de poser la question au Père parce qu'on a accroché à nos affaires. On est dans un fonctionnement anti-machia. La vie, Yahushua est bon. On est à côté de la plaque, bien souvent. On est à côté de la plaque, bien souvent. Père, reçois l'adoration, papa. On a besoin de toi, Yahushua Mashiach, papa. On a besoin, Père, que tu puisses, Père d'amour, nous éclairer, Père. On a besoin, Père d'amour, que tu puisses, Père d'amour, nous faire comprendre des choses, Père. Père, on a grandi, Père, on a grandi dans un système, Papa d'amour, qui nous fait, hein, qui nous rend égoïste, Papa. Un système qui nous insiste, qui nous incite à, Père, à avoir un fonctionnement égoïste, un fonctionnement tourné vers soi-même, Père. Papa d'amour, tu nous demandes, Papa d'amour, Alléluia, Père, tu nous demandes, Papa d'amour, d'avoir un fonctionnement tourné vers toi et vers les autres, Père. Merci pour cette lumière, Papa. Que ton nom soit glorifié, Shumashia, Père. Touche nos cœurs, Père. Nos cœurs sont durs, bien souvent, Papa d'amour. Nous avons le cou raide, Père. Touche nos cœurs, Papa d'amour. Change nos cœurs de pierre, Père, un cœur de chair. Et que ton nom soit béni dans nos cœurs, dans nos vies, Père. On a besoin de toi, Shumashia. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés, mes amis. Yahushua revient. Alléluia. Alléluia. Je vous dis à tantôt.